Merci pour le donut, mon chéri. Oh, délicieux. T'as de la crème sur les lèvres, bébé. Vraiment? Ne t'inquiète pas, je vais t'aider avec ça. Oh non! Naomi, tu as raté l'examen de maths. Désolée, maman. Les maths me font tourner la tête. Attends un peu. Je sens un garçon ici. Je t'ai eu. Oups! Salut, pas toi. De garçon dans non, ma non, maison. Non! Ah, pas de garçon. Ah, je dois faire quelque chose. Je devrais me transformer en fille. Je pourrais aller avec Naomi. Oh, oh. Quelle belle matinée. Désolée, maman. Je dois utiliser ta chambre. Ah, la chambre de maman. Voyons ce qu'elle a. Il y a beaucoup de choses étranges ici. Je devrais peut-être commencer par le rouge à lèvres. Oh mon Dieu. J'espère que maman ne va pas entrer dans la pièce. Je ferai tout pour toi, Naomi. Maintenant, tu peux m'appeler Jessica. Ces chaussures sont horribles. Je n'ai toujours pas l'air d'une fille. J'ai besoin d'un peu de volume ici. C'est quoi ça? Un ballon? Je crois que je sais comment l'utiliser. Je vais le remplir d'eau. Il est plus lourd que je ne le pensais. Maintenant, je le mets sous ma robe. Ouais, j'ai l'air d'un sauveteur de Malibu. Oups, du pipi de bonheur. Mes implants d'eau sont abîmés. Je devrais mettre des choux à la place. Je ne ressemblerai jamais à une vraie fille. Qu'est-ce que maman cache dans ce tiroir? Est-ce que ce sont des bonbons pour les filles ou quelque chose comme ça? Berk, ça a l'air effrayant. Sortons d'abord ce coton. Qu'est-ce que je devrais faire avec ça? Peut-être que c'est un bouchon de nez? Ou un bâton d'oreille un peu chic? Mais non. Qu'est-ce que c'est exactement? Et tu devrais le mettre dans... Qu'est-ce que... Berk, dégueu! Comment les filles peuvent-elles utiliser ça? Non, je ne vais jamais revoir mon adorable Naomi. Être une fille est un défi difficile à relever pour moi. Comment devenir belle? Des instructions pas à pas? Oui, je suis de retour dans le jeu! Livraison! Waouh, c'est si rapide! C'est pour ma sœur. Merci. Pour ma sœur? Ouais. Personne ne doit savoir ça. D'accord, mec, je serai muet comme une carpe. D'accord, voyons ce qu'il y a dans cette boîte. Oh mon Dieu! C'est pour mes lèvres? Je le fais pour toi, mon amour. Je suis prêt pour toutes les tortures de la beauté. Je vais gonfler mes lèvres avec cet accessoire à la cerise. C'est les standards de beauté, pas vrai? Ok, voyons le résultat. Allez! J'ai une meilleure idée. Enfin! J'ai les lèvres des Kardashians maintenant. Mais comment je peux les teinter correctement? TikTok à la rescousse! Bienvenue, mes beautés. Ma nouvelle astuce concerne les lèvres. Mettez du scotch autour. Facile! Merci, bébé. J'ai compris. Tes astuces me sauvent toujours la mise. Je pense que ça va marcher. Waouh! Mes lèvres sont si roses maintenant! Eh, ma belle, tu es magnifique. Tu veux être ma petite amie? Oh, mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai sur les dents? Pas de panique. Elles sont propres maintenant. C'est dégueulasse. J'ai les sourcils de Shrek. Voyons ce que je peux faire. D'accord, qu'est-ce que c'est? Ce gadget va arranger mes sourcils. Bon, ça a l'air drôle, mais essayons. Il n'y a rien de difficile ici. C'est une machine de torture! Comment font les filles? Je devrais essayer quelque chose de moins dangereux. J'ai une idée! Je peux trouver quelque chose dans ma boîte à outils. Waouh! Que penses-tu de ce taille-haie? Pourquoi pas une scie à métaux? Trop démodé. Je peux utiliser du scotch comme bande de cire. Ouais! Il suffit de couvrir les sourcils et la moustache avec du scotch. Oh là là! La vache! Où sont mes sourcils? J'ai l'air plus effrayant que Voldemort! Je dois récupérer mes sourcils! Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais placer ce pochoir sous mes yeux et me peindre de nouveaux sourcils avec la poudre. Ok, gadget, ne me laisse pas tomber! Waouh, j'ai l'air si élégante. Salut, chérie. Par ici. Tu peux, s'il te plaît, enlever ce scotch? Bien sûr. Mon pote, t'es un sacré farceur. J'ai besoin de plus d'accessoires de beauté. Waouh, maman a de si beaux cheveux. Que la saison de pêche commence.
Je t'ai eu. Quelle belle prise. Désolé maman, je vais t'emprunter tes cheveux pour un moment. Tu pourras porter cette nouvelle serpillière sur la tête. De retour à la base. Attention, le vaisseau de cheveux est en train d'atterrir. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec mes cheveux? Ah, je ne vois rien. Oups, quelque chose ne va pas. Je pense que j'ai mis la perruque à l'envers. Ouais, voilà le bon côté. Il faut que je me refasse une beauté. Waouh, ce chouchou a l'air bien. Je peux faire de superbes tresses avec. Je vais essayer de le faire. Incroyable, j'ai une coiffure à la Harley Quinn. Génial. Eh hey, les amis, regardez ça. Eh, hey, ne t'envole pas. Ah, personne ne fuit Justin. D'accord, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Wow, cette palette est tellement colorée. Il y a tellement d'options. Que choisir? Je ferais mieux d'engager un maquilleur pour ça. Hein? Je peux faire du maquillage tourbillon. Je prends d'abord de la peinture. Maintenant, je dois dessiner différents cercles autour de mon visage. Wow, on dirait déjà une toile d'araignée. Oh là là, je suis une pro du maquillage. Maintenant, je peux commencer ma chaîne de beauté. C'est bon, tous les cercles ont été faits. Waouh, je ressemble à la princesse Neytiri. Maintenant, il faut que je m'occupe de tout ça. Oups, on dirait un polisseur. J'espère qu'il n'effacera pas complètement mon visage. Waouh, c'est comme un massage du visage. Oh là là, mon visage a un ton incroyablement lumineux. Hein? Quelqu'un m'appelle? C'est Naomi. Comment vas-tu, chérie? Quoi? Désolée, mauvais numéro. C'est qui, ça? Justin a trouvé une autre fille? Naomi, c'est moi! Oh, quelle journée de folie! Ok, je dois me dépêcher. Je ne sais même pas ce que c'est. Qu'est-ce que... Quel drôle de chapeau. Waouh, des faux ongles. Mettons de la colle derrière. Mais il ne faut pas trop serrer. Ensuite, il faut mettre l'ongle bien sur ton doigt. Facile, mes ongles sont nickel. Hein? C'est un message de Naomi. Oh là là, Naomi! Je dois lire son message. Détends-toi, Justin. Respire profondément. Allez, stupide téléphone, laisse-moi envoyer un message à Naomi. Hein? Est-ce qu'il joue avec moi? Notre amour est terminé, Justin. Pourquoi j'ai autant de malchance aujourd'hui? Je déteste ses ongles. Lâchez mes doigts. Mes mains sont enfin libres. Je devrais essayer une nouvelle astuce de manucure. Je dois utiliser un gant de toilette et des ciseaux que j'ai volés à ma sœur. Ensuite, je dois découper des trous pour les ongles sur le gant. C'est l'heure de me vernir les ongles. Je peux utiliser un pinceau pour cela. C'est parti pour un petit plaisir. Voyons maintenant le résultat. Waouh, mes ongles sont si brillants. Ça a marché? C'est dégoûtant, il y a de la peinture partout. Il faut que je change de vêtements. Qu'est-ce qui reste dans la boîte de beauté? Je ne pense pas que ce soit la bonne taille. J'ai l'air de la méchante sœur de Cendrillon. Mes bras sont trop gonflés pour les manches. Waouh, regardez-moi ces muscles. Oups, c'est ma faute. Oh, c'est tellement poussiéreux ici. Le poulet est prêt. L'espion Justin part à la chasse. Il y a quelque chose sous mes fesses. Je me souviens de cette chose étrange. Je peux l'utiliser dans ma prochaine astuce. D'accord, débarrassons-nous de ce t-shirt sale. Waouh, regardez mes abdominaux, les filles. Maintenant, je vais essayer de mettre un soutien-gorge. Presque. Pourquoi c'est si difficile? Que quelqu'un m'aide. Ouf. Waouh, pas mal. Mais j'ai besoin de plus de volume. J'ai une idée. Burk, ça sent pire que la laine de Venom. Mettons les chaussettes là-dedans. C'est comme emballer un cadeau de Noël. Waouh, ils ont l'air si naturels. mais l'odeur est bien différente. Maintenant, je vais mettre la robe de maman. Préparez-vous pour un tour de magie. Waouh, quelle jolie princesse Disney. Qu'est-ce que... Quelque chose est coincé dans mon dos. Je n'ai pas besoin de ce surplus. Maintenant, essayons cette ceinture fantastique. Oui, beaucoup mieux. Sacré Bieber, mes jambes sont super flippantes et poilues. Il faut que je m'occupe de ça d'une manière ou d'une autre. Je suppose qu'il n'y a pas d'autre moyen. Oh mon Dieu, c'est ma première épilation. Ne t'inquiète pas, Justin, tu peux t'en occuper. Il suffit d'ouvrir soigneusement la bande de cire. C'est fait. Très bien, allons-y. Place la bande sur la jambe poilue. C'est plutôt agréable. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Ah!
Lâche ma main. Ah, pourquoi es-tu si collante? Enfin. Oh mon. Waouh, c'est quoi ce truc bizarre? Je peux l'utiliser aussi? Je vais tout couvrir. Ouais. Je me sens comme une icône de mode. Maintenant, j'ai vraiment l'air d'une vraie fille. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Oh non, ça ne va pas le faire. Non, allez. Heureusement, j'ai une excellente astuce pour cela. Je peux le cacher avec ce vernis à ongles. Waouh, je suis une fée du bricolage féminin. Attends une seconde. Est-ce que j'aime ça? Burk. Non. La dernière étape, ce sont les superbes chaussures. Oui, incroyable. Je vais d'abord m'entraîner un peu au défilé. Waouh, je suis tellement doué pour ça. Ah, c'est la vitesse bébé. On va en mettre un peu plus. Le niveau guépard. Vitesse de flash. Hey, les amis, il y a une nouvelle fille en ville. Naomi, me voilà. Oh mon Dieu, quelle charmante couronne de fleurs. Waouh, je n'avais pas vu cette beauté avant. Hey, comment ça va, ma belle? Désolé, je ne parle pas aux étrangers. Attendez, je peux avoir votre numéro? Non. Ouf, c'est passé près. Oh, enfin, je suis chez Naomi. Oui, comment je peux vous aider? Je suis Jess... Jessica. Je ne connais aucune Jessica. Je suis venue étudier. Oh, Naomi est là. Qu'est-ce que... Qui es-tu? C'est moi, Justin. Salut. Quoi? Tu peux parler un peu plus fort? Justin. Oh, quoi? Il faut qu'on étudie, au revoir. Ouf, ça n'est fallu de peu. Je n'en crois pas mes yeux. Justin. C'était la seule façon de te voir, bébé. Waouh, tu l'as fait pour moi? Bien sûr. Maintenant, finissons notre baiser. Mais comment? Un jour, j'ai participé à un défilé de mode. C'est l'heure du tuto mode, les amis. Attention aux portes. Salut, Sorette. Ça fait plaisir d'avoir une main tendue. Oh, je me sens tellement seule. Cette situation m'en fait baver. Oh, Burk, je pourrais faire du slime avec ça. Je viens d'avoir une excellente idée. On me surnomme Malice dans le milieu. Rez-de-chaussée, s'il te plaît. J'ai coincé. Au secours! Ah, quelqu'un est coincé. Et qui est là? Aide-moi si tu veux que je te rende l'appareil plus tard. Trop joli. Je dois la sauver. Salut, je suis photographe de rue. Salut. Je peux vous prendre en photo? Bien sûr. Waouh, elle est tellement parfaite. Donc, tu vas m'aider alors ou quoi? Oui. Tu as besoin d'internet? Oui, donne-moi ça. Et voilà. On va tester ça. Mets-moi en contact avec le monde entier. Waouh, ce réseau internet est hyper réactif. Merci, comment tu t'appelles? Moi, c'est Finn. Merci, Phil. Maintenant, je peux jouer toute la journée. Mes lumières de jeu me manquent quand même. Des lumières? J'ai que celle-là en stock. Je t'en prie, laisse-moi jeter un œil. Voilà, tadam! De jolies lumières, s'il te plaît. Waouh, elle est trop créative. Plus de lumière. Où est-ce que je peux en trouver? Dans ma chambre. Je l'amènerai peut-être dans ma chambre. Non, je dois nettoyer d'abord. Le sapin. Oui, voilà. Le Père Noël va passer. Merci. Philippe? En fait, je m'appelle... D'accord. J'aime mieux ça. C'est l'heure du goûter. C'est tout? J'ai une idée. On va lui mettre encore plus de paillettes. Avec moi, tout roule. Je dois avoir du sang d'Harley Quinn en moi. On le découpe en tranches comme ça.
et on enlève ce morceau. J'ai besoin d'un héros, alors je vais appeler... Vengeance. On va essayer. Je vais essayer d'attraper moi-même une chauve-souris. Je porte de l'alastane des fois. D'accord. Je suis aussi une cave. Écoute, on fait avec ce qu'on a. On est sur la même longueur d'onde, non? Je crois bien que oui. Je sais comment faire des merveilles avec ça. Édouard aux mains d'argent ne m'arrive pas à la cheville. Utiliser de la glu, voilà la clé de la réussite. Oh, je libère l'artiste en moi. Voilà, mon volant de course est prêt. On va le tester dans la rue. Ils n'ont pas assez regardé Fast and Furious, eux. c'était un gros bruit. Oh, j'ai la dalle. Commander, c'est la pause burger. Oui. À votre service. Oh, pour Ginger? Elle s'appelle Ginger. Je dois lui apporter ça. Bon, il est temps de sortir mon sabre. Ça fait crouch, mais c'est pour ton crush, Finn. Laisse-toi envahir par le côté obscur. Wow! C'est le retour de la 2D. Ça va comme un gant. Hein? Ce mec vient vraiment d'aplatir mon burger? Quoi? Je n'ai pas commandé ça. Bon. Oh! Voyons voir. Ça a marché. Hein? Oh! Un bon gros burger plein de sauce. Trop bon. Oh, bon appétit. Quoi? Je peux avoir une boisson? C'est prévu. Secoué par une muette pour ma bonne girl préférée. Il faut que j'arrête de siroter. C'est prêt. Ah, pas encore. Je sais. J'ai une petite astuce pour ça aussi. Rome ne s'est pas faite en un jour, mais ma tour de paille ici. Oh, waouh! Merci! Je crois que je l'ai faite tomber dedans. C'est l'heure de la pêche. Bingo! Pas mal du tout, cet arrière-goût. Je t'ai déniché un peu de brownie. Berk! Non, maman, j'ai passé l'âge des bisous. Problème d'ascenseur. Je dois faire quelque chose. Il y a peut-être des vies en danger. Oh. Wow. Quelle pièce à la refaite. Non, c'est pas le cocktail espéré. Ah, ça ne fait rien. Meilleure émission de télé-réalité du monde. Je dois la sauver tout de suite. Allez, démarre. Oh, une erreur. Oh. Je peux atteindre le circuit électrique ou pas? C'est ça de pas faire les bras à la muscu. Qu'est-ce qu'on a là, alors? Je pense que je devrais appuyer ici. Ça doit être ça. Je vais te sauver, Ginger. Oh, ça sent pas bon, ça. Oh, c'est quoi ce bruit? Wow. Quoi? C'est un oiseau? Bonjour, madame. Attachez votre ceinture, s'il vous plaît. Salut! Mon dos! Est-ce que ça va? Non, ça va pas! J'en ai trop marre de cet ascenseur! Je veux sortir! Au secours! Je dois la sauver! Je vais arranger ça! On croise les doigts. Qui a appelé au secours? Vous pouvez vous baisser, je vous laisse faire. Ces gamins avec leurs jouets minuscules. Voyons voir. C'est un jeu d'enfant. Regardez, prends-en de la graine. Bon, ça ne servit à rien. Finn, est-ce que tout va bien? Oui, pas de soucis. Est-ce que tu veux une glace? Oui. Ah, ma préférée. Trop bonne. J'en veux encore. Oh,
Qu'y a-t-il dans cette boîte? Un cadeau du Père Noël? J'ai une idée rigolote. C'est fou à quel point me trouver au beau milieu d'une galère stimule ma créativité. On secoue bien, je me croirai au loto. Que la partie commence, je suis prême. Oh, c'est comment la bonne inclinaison, là? Waouh, c'est très joli. Je vais avoir besoin de vous, les amis. Maintenant, regardez, les enfants. On secoue. Waouh, un collier de geek, génial. Ginger, j'ai fabriqué quelque chose pour toi. Oh, c'est trop mignon. Maintenant, j'ai besoin d'un endroit où le ranger. De toute façon, je l'aimais pas. C'est parfait, ça. J'ai pris la main pour décorer la pièce comme une vraie geek. Oh, cool. Toi, on va t'accrocher là. Et le meilleur pour la fin. Voilà. Aïe. Pire que les Lego, je vous le dis. Oh, mais attendez une seconde. Il faut parfois souffrir pour être créatif. Un petit jet de glu là. Les gens de la génération Z, vous vous souvenez de ça? Ce sont comme des clés USB mais aux couleurs arc-en-ciel. Regarde! Vous savez quelle heure il est? C'est l'heure d'utiliser un gadget génial! Trop chou! Attendez, je suis en retard à ma soirée geek! Oh, je déteste cet ascenseur! Le déteste! Oh non! Je vais ranger cette pagaille! Oh, j'ai une idée! Parfait! Désolé, je le ramènerai. Ici, on veut tout ce qui brille seulement. Waouh! On connaît la chanson maintenant! Au pays de la Lalère, tout le monde a un pistolet à colle. Ça, c'est un message qui vient du cœur. Ah, elle va l'adorer! C'est marqué quoi? Je... ami... quoi? Il me friendzone! Pourquoi il aurait dit... un bouton pour les cas d'urgence! Enfin! Ouais! Pourquoi tu as dit que j'étais juste une amie? Quoi? Une minute! On remet tout ça dans l'ordre. Regarde. Je t'aime aussi, Phil. Pardon, Finn. Waouh, vraiment? En tout cas, ce soir, on fait la fête. Deux secondes. C'est à toi. Quel bluffant coup de théâtre. Je t'aime, mon petit cœur.